calme, Denis ? Chaque année en France, des milliers de jeunes ne partent pas en vacances. Grâce à l'opération Pièce Rouge, des milliers d'euros ont été versés dans l'objectif d'aider ces jeunes en difficulté. Nous avons choisi de prendre 7 jeunes issus des cités les plus chaudes de France. Timothée, pourquoi le script ? C'est simple, chaque combat que je gagne, je me fais un tatouage. Le script. Mais vous avez pas de tatouage là ? Ta gueule. Pourquoi ce surnom, un dixième ? Bon, en fait, c'est très simple, hein. C'est parce que j'avais le cousin de ma belle-mère qui avait un oncle qui a adopté une cousine qui épousait l'ami du beau-frère du voisin. Du coup, j'ai un dixième de sans-blague, tu vois. Par alliance. Denis Maréchal. De phase. Pourquoi ? Parce que tout ce que je fais devient une phase culte, frère. Ah bon ? Mm-hmm. Comme quoi ? Par exemple, c'est moi qui ai lancé l'expression, frère. Black Panther. Et action. Comment ça, action, frère ? Ah, je comprends pas ton délire, hein. Tu te fous de ma gueule ? Je m'appelle Jean Moule, frère. Comment ça, action ? Jean Moule ? Ouais. Je suppose qu'on vous surnomme ainsi parce que vous balancez personne ? Non. C'est parce que la corp, c'est mon animal préféré. Pourquoi les 400 coups ? Bah parce que je fais tous les coups. C'est-à-dire ? Bah par exemple le coup du lapin. Je te donne un rendez-vous, je viens pas. T'es là, t'es un petit peu dégoûté et tout. Et là j'arrive derrière ta nuque. Tout peur, slack, slack ! Coup du lapin. Ça fait un double lapinou. Pour l'instant, je fais que de l'entraînement, tu vois. Mais t'inquiète pas que le punching ball, je tue sa mère. Et à chaque fois, il est pas bien. Il pleure et tout. À Rosalmac. J'ai eu peur. J'ai cru que c'était un hameçon. Black M. Pourquoi ce surnom, l'endormeur ? Ah, l'endormeur, frère, moi, j'ai grandi dans le ghetto. Et là, je suis en train de lancer un nouveau truc, ça fait gazaille ! Tu vois ? C'est ma nouvelle expression, tu vois, dans quelques temps, tout le monde sera en train de le faire partout dans la France et les jeunes, ils me verront, ils font gazaille, hey, c'est pas la bande, gazaille, on va gazaille, Blanquer. Les All Black, l'équipe de rugby, là. Et donc, en quelque sorte, tu vois, j'ai dû tchatcher, apprendre à parler avec les gens, les ambiancer, les maintenir sur la sur le dance floor. Action. Ouais, c'est moi-même. Pourquoi ce surnom de Million Man Face ? En fait, c'est simple, quand j'enlève mes lunettes, t'as vu, je change de personnalité, de manière complètement ambiguë. Ah bon ? Ouais. Oh. Monsieur ? Oui, monsieur. Il y avait quelqu'un assis juste avant vous ? Oui, il est effectivement fort probable qu'il y ait eu quelqu'un assis à cette place, parce qu'effectivement, dans l'entreprise, nous sommes actuellement 25 salariés, tous en fin de contrat, donc nous aurions heureux. Blacky Martimer ! Oh, moi, je sais qu'au fond de moi, je suis une carpe, parce que déjà, oh, mon plat préféré, c'est le carpaccio. Oh, mon Pokémon préféré, c'est moi, je suis carpe. Oh, ma philosophie, c'est Carpe Diem. Il y a aussi le coup de « je te rendrai ton argent demain », tu vois. Hé, hey, il est où mon argent ? Ben je te le rendrai demain parce que là je déménage en Patagonie. Ah ok, bah bon déménagement alors. Ouais, ça va de soi. La caille. J'ai créé une marque de vêtements, ça se passe bien. Et aujourd'hui, bah je suis fier et indépendant. Ariel Black, pour les linges noirs. Il y a aussi le coup scous. Par contre je te le sers avec des pattes. Comme ça, tu sais pas trop où t'habites. Tu fais oh quoi, c'est le Danemark, c'est où, je sais plus où j'habite. Vous savez pourquoi vous avez été convoqué aujourd'hui ? C'est pour mes droits d'auteur de frère Jacques. Mmh, c'est ça ? Ça fait des années qu'ils utilisent mon mot frère et ils m'ont jamais donné un euro. La prochaine fois que je les vois, ça va gazaille, gazaille, gazaille. Quoi, je suis un convoqué, tu veux quoi ? Tu parles comment à moi ? Tu me connais pas, tu connais pas ma vie, tu sais pas ce que j'ai vécu. Ouais, bon, j'avoue, c'est moi qui ai pris les cartes. Je voulais les libérer, tu vois, parce que franchement, ça se fait pas de garder en capturation les cartes. Mais moi, j'ai rien à voir avec tout ça. Je dis pas les places. Tu sais monter un pot sur un booster de 50 ? Non ! Tu sais faire des levées ? Non ! T'es même pas de chez moi ! T'es pas... Eh ! Mais par contre, le siège, il est cassé. Ça, je suis sûr de ça. Moi, je laisse aucune carte pour galère ! Si, si, si. Regarde, essaye. Essaye, frère. Essaye, t'es moi. Bizarre. Cassé, ton nom. Pas cassé ? Rebondis bien. Ah ! Tu vois, quand un poisson, il te regarde dans les yeux, et il dit « je t'aime ». Mais vous l'aimez pas, votre t-shirt ? Un t-shirt ? Si, si. Le filet mignon, c'est de la bête de bombe. Non, filet mignon, c'est de la bête de bombe de la mort ! Aïe, aïe, aïe ! Filet mignon, c'est de la bête de bombe de mort, aïe, aïe, aïe ! Commence pas à chercher des poux ! Parce que si tu cherches des poux, tu vas pas en trouver, je mets du shampoing, frère ! T'as compris. Vous avez été sélectionné pour partir en voyage à Punta Cana. On y va ? Mais on a bilan ou pas ? C'est gentil, hein, mais c'est pas ça qui va me faire oublier 400 ans d'esclavage. Denis Maréchal ! Pour la cause, putain ! Pour la cause ! Y'a pas d'un bilan ? Non. Arrête. Non ! Arrête ! Vous êtes content ? Parle pas avec moi, frère. Quand je
Moi, je suis dans mes trucs comme ça, parle pas avec moi, frère. Je peux enlever ma carpe, parce qu'elle va kiffer. Elle va gambader dans l'herbe et tout. Ça va être un truc de ouf. Je lui prépare son petit sac, pépère, brrr, on va se mettre bien. Laisse-moi refermer quelques trucs, frère. Ah, ferme ta gueule maintenant, s'il te plaît. Pardon? Ferme ta gueule, CJ. Mais pourquoi? Ferme ta gueule, tu vas faire quoi là? Non, mais non, on va! Mais c'est où, Puntakana? C'est pas dans le 9-2 ça? Ferme ta gueule, je te dis là! Ferme ta gueule là! Ferme ta gueule, je te dis! Ferme ta gueule! Pourquoi vous me parlez comme ça? Coup de pression. T'as vu, y'en a plein, hein? Abonne-toi à la chaîne du Whoop. Monsieur, il m'a dit de m'abonner à la chaîne. Et on est de retour sur scène du 17 avril au 3 mai, au théâtre L'Apollo du mercredi au dimanche. Ramène ta team, on va se taper des bars, yeah. Whoop gang. Chut, tu te calmes, Denis? Jeunes de quartier qui ont été sélectionnés pour le voyage à Punta Cana sont enfin arrivés à destination. Après plus de 10 heures de vol, ils découvrent enfin leur magnifique villa située en République Dominicaine. Hey, fais-moi comment ? Tu me l'as fait. Les Antilles, Africa ! Tu étais cousin de Jamad, toi, non ? Celui qui avait baisé Vanessa dans les chiottes, là. Non ? Tu l'es. Ah, c'est la maison, elle défonce ! Ah, frère. Frère, prends-moi une photo sur le 4x4, s'il te plaît. Si, vas-y, viens, vite fait. Bonjour, bienvenue dans la villa. Je me présente, je m'appelle Philippe. Eh, hey Philippe, c'est beau prénom. Vas-y, me parle pas, toi. Dis que ta mère, toi. Et c'est moi qui vais vous accompagner tout au long de cette aventure. Dans la villa, vous avez 16 chambres avec salle de bain, une piscine, un jacuzzi, un sauna, et une salle pour passer vos coups de fil personnels. C'est quoi la wifi? Y'a un kebab? Y'a des corps? Y'a des turcs? Y'a un vétérinaire? J'ai mal aux dents là! Eh, y'a du shit! Du bullshit de sa mère! Coupé dominicainement et tout! Ouais, je me shit, y'a quoi? Hein? En plus, on est en République dominicaine, le shit il doit être bien coupé sa mère! En plus, tout ce qui est Dominique, moi j'ai toujours kiffé! Dominique Farouja, Dominique Rocheteau, Dominique Voinet, Raymond Dominique, Dominique ta mère! Faites comme chez vous. Wouah! Putain, t'as réussi à me shit!
Ah non, en fait, c'est parce que je sais pas quoi faire de mes mains, donc c'est un peu un toc, tu vois. Quoi, tu veux quoi, toi? Reste tu veux quoi? Commence pas à en parler. Reste tu connais tranquille. Pas ma vie. Reste tranquille. Reste tranquille. Pas ce que reste tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu connais pas ma vie. Je suis désolé, frère. Même couleur, même couleur. Ouais, ok. Désolé, même frère. Même combat. Reste ensemble. Ta gueule, t'as vu tous ensemble. Y a pas de soucis, on a envie de faire. Les jeunes ont du mal à s'adapter. J'arrive pas à m'adapter là. Hé les gars, personne a un adaptateur. Elle tue sa mère la baignoire, on dirait une douche ou là. C'est pas mal ça. Une fois installés, les 7 jeunes prennent leur habitude dans la maison. Mais malheureusement, les rivalités entre cités prennent le dessus. Ouais, de toute façon, toi, je suis sûr, ta mère elle est chaude, frère. Oh, non mais t'as pas compris, frère. Comme lui là. Et en plus tu veux quoi toi? Ma mère elle est pas chauve Navalo là, un petit dégradé à blanc, 0,5 sur les côtés. Ta gueule! T'es sérieux ou quoi? Eh bon je pleure pas. Je suis pas une merde. Tiens, laisse-moi, je peux pas me dire ça. Il peut pas dire ça, Joshua. Ma mère elle est pas chauve. C'est quoi le dégradé, tu m'as dit ta mère là? Ouais, elle a un petit dégradé à blanc avec une queue de cheval derrière. Ah c'est pas mal ça. Et moi aussi je suis une queue de cheval aussi. Mais c'est... ma bite. Ah ouais. Oh bah c'est pour... Observez la carpe de l'Ouest. Vive Corias, elle est... Mais ils font quoi là? Mais non, laissez-les. Quand tout à coup elle... Fuyez les poissons, fuyez. Regardez comment ce déchire bien sa race. Putain, comment ça saigne sa mère, c'est un truc de malade. Si elle pouvait hurler, on l'entendrait jusqu'en Ardèche, cette bouffonne. C'est vraiment bien fait pour sa gueule. Non mais j'ai jamais vu un truc aussi hardcore de ma vie. Regardez sa bouche se déchire de tous les côtés. Tu fais moins la maline là. Je me laisse pas. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a une fausse Kaira parmi vous. Oh, comment ça? Non, ouais. Attends. Alors, si j'ai bien compris, nous là on est 7, 7 Kaira. Et parmi nous, une 1, c'est pas une Kaira. Écoute, frère. Ça veut dire qu'on est tous postés sur le réseau tranquille, frère. Il y en a 6 qui sont en mode wifi et un solo comme ça, on se crête en mode 3G. Non. C'est en fait, il y a 7 individus de sexe normal et dedans, il y en a un, il est dégénéré. Et c'est comme si, genre, il y a un bandeau-car et parmi nous, parmi le bandeau-car, il y a un saumon. D'où le saumon entre la décarte sur la tête de ma mère, ça va pas se penser comme ça. Faites fausse Kaira sur la VMR si je la chope directement. Gaza! Et voilà, encore une fois, l'homme blanc essaie de nous diviser, mes frères. Comme disait Mukanjo Jambi. Amingala, Olobamo Tenke! Quoi? C'est du Wolof? Non, c'est pas du Wolof ça. Non, mais c'est du Wolof du Sud, c'est pour ça. Je te jure, je parle Wolof. C'est Wolof qu'ils connaissent pas aussi. L'autre, il vient d'Espagne, il parle, fils. Non mais les gars, regardez, nous divise. Faut rester unis. Western Union. Restez connectés là, putain. Lika Mobile. Qui est la fausse Kaira? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de Punta Kaira. The best is Geronimo. Tu te calmes, Denis ? On est posé à Punta Cana. Ouais, c'est nous les Punta Cana. On est posé à Punta Cana. Ouais, c'est nous les Punta Cana. Punta Cana.
précédemment dans Punta Kaira. C'est qu'il y a une fausse Kaira parmi vous. Oh, nous l'en est 7, 7 Kaira. Et parmi nous, une 1, c'est pas une Kaira. Encore une fois, l'homme blanc essaie de nous diviser, mes frères. 14h, les habitants de la maison se réveillent. À le réveil, franchement, il faisait plaisir. Après, j'étais en train de faire un cauchemar, t'as vu? Je rêvais que j'étais dans les eaux de Saint-Denis, de la Seine, tu vois. La Seine, elle est polluée là-bas. Donc, tu vois, je me suis réveillé, j'étais en panique. Mais après, je me suis réveillé, franchement, j'étais bien. L'eau, elle est douce ici, elle est potable. C'est ça qui fait plaisir. Il est où mon maillot du Cameroun, là? Ah, j'ai trop bien dormi, putain. Sont moelleux, ces marches. Les habitants prennent leur petit déjeuner. La vie, la vraie, c'est quoi? C'est le wheeling. Moi, je sais faire du wheeling avec tout. Avec des vélos, avec des motos, même avec des voitures. Ça c'est rien, ça, avec les voitures, c'est trop facile. Moi, je connais un mec qui fait du wheeling avec un dauphin, frère. Bip, bip, bip. Carrément, il a dressé le dauphin pour qu'il fasse des bruits de KX, frère. Et le mec, il fait ça en zompris. Carrément, il fait passer un dauphin par le parloir. C'est un Mickey, frère. Et Régis, il fait quoi? Il fait la grasse mat. Ah, t'es bonne, t'es bonne. Et tu veux pas un sweet film mignon? Vas-y. Je te le donne, t'inquiète. Oh, tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Je prends mon petit déj. On a pris un petit déj. Le petit déj, hey, copieux. Franchement, là-bas, la nourriture pour carpe, elle fait plaisir. C'est halal? Non. Oh putain, vas-y, fais goûter quand même, y'a personne qui voit là. Non, vas-y, c'est ma nourriture. J'ai essayé, moi, tu vois ce que je veux dire? J'ai essayé, frère. J'ai essayé de parler, comment ça s'appelle? La carpe? Je dis, vas-y, on partage un petit déj. C'est de la nourriture pour les cartes. Pour les couilles, tu penses que tu as goûté? C'est de la nourriture pour les cartes. Jean Moule commence à essayer de me piquer mon petit déj. Je commence à mettre un coup de pression. Vas-y, dégage! Il a pas voulu, frère. Le mec, il a résisté. Il a dit non, moi je n'aime pas mon petit déjeuner parce que c'est cela. Là, je te dis, reste tranquille parce que tu t'inquiètes pas qu'une carpe ça s'est tapé. Et il a compris les bails, il s'est calmé, tu vois. Mais sinon, franchement, ça faisait plaisir. Il y a du soleil, c'est beau, ça fait plaisir. Et maintenant que l'aventure a vraiment commencé, je vais pouvoir vous présenter vos parrains, le Whoop. C'est Kilmé, les gars! J'aimerais trop calmer! Bouffon, va! Ah, mais toi, je te connais! T'es Black M! C'est que c'est d'assaut! Oui, voilà, c'est Black M! Y'a le Whoop qui est venu. Apparemment, il disait que c'était des humoristes. Mais on s'en bat les couilles, tu vois. Mais ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est que là-dedans, il y avait Black M. Oh non, Black M! Eh, c'est vrai, Masqué, il est pas noir, c'est vrai ou pas? Attends, je suis pas sûr. Eh oh, c'est pas. Elle porte duel, c'est Black L. Vas-y, chante. Chante, là, dépêche-toi. Sur ma route, oui, j'ai bu de la mousse, oui, une vie de doute. Ouais, c'est bon, fais ta gueule, C'est un bouffon, tu l'as saigné. C'est un bouffon, là. Bravo, vous avez gagné cette première épreuve. Personne n'a reconnu le Whoop, c'est vraiment des schlags. Allez, cassez-vous. Et on vous connaît pas, vous. Vous êtes qui? Moi, j'ai déjà serré la main sous les yeux, ok? Bah ouais, je connais pas, je connais rien, moi. Je connais rien du tout, qu'est-ce qu'ils croyaient, les fous? Bah ouais. Aujourd'hui, vous avez une mission. Vous allez devoir récolter des fonds pour construire une MJC dans le 93. Bien, Philippe nous a demandé de récolter des fonds pour faire une MJC en Seine-Saint-Denis. Bonne cause, Black Panther, je suis dans le game, y'a pas de soucis. Sauf Francisco, qui a un rendez-vous pro avec une agence de mannequinat. Bah là, je viens d'apprendre que franchement, je suis nominé pour un rendez-vous pro dans une agence de mannequins. Franchement, ça fait plaisir parce que en vrai, j'avoue, je suis une carpe, mais avec la beauté d'un dauphin. Je suis bien ouvert à un film mannequin et Marie Bouquet fait qu'ils aient. Grave. C'est sympa ça, c'est combien? 100 000, monsieur. Pesos? Non, 100 000 dollars. Ah, ok, d'accord. Eh oh, tu crois que c'est le marché de Tati ou quoi, mon frère? Oh! La SAP, elle plaît. Mais t'as vu, les clients, ils sont trop. Vas-y, ils croient trop que. Vas-y, je vais les lâcher pour. Vas-y. Ça, c'est du coton de. C'est du coton d'agneau, mon frère. C'est de la qualité, mon frère. Respecte les performances, mon frère. On fait du karaté, on fait du textile. Filet mignon, c'est du luxe, mon frère. Ah, échec, frère. T'as besoin, quoi? Ah, échec. Ah, échec. Ah, échec.
parce que vous auriez de l'oseille. La nuit, je suis un Mac, je fais tapiner ma pote Jenny, elle n'a qu'un sein et demi. Et grâce à vos dons, elle aura un endroit où se reposer à Saint-Denis. Allez, faites péter l'oseille là, allez, faites péter le cash là, bande de bâtards. Moi, ce que j'ai décidé de faire, j'ai ouvert un petit salon de coiffure, un petit stand de log sur la plage. Normal, c'est notre spécialité. Harry Roselmack, normal. Putain, j'arrive pas. Vous avez pas des cheveux pour ça, les blancs aussi? Avec lui, c'est plus facile. Là, tu veux faire des belles logs de guerrier, mon frère? Toi, tu veux une coupe au bol? Eh, je te fais une coupe au bol. Vous aimez bien les coupes de victimes comme ça? Petite coupe au bol du futur, mon frère. T'inquiète pas. Alors, ça, c'est un scooter booster de 2004 d'occasion. Et si vous regardez bien, j'ai fait des rayures sur le starter. Exactement la même que celle que tu avais sur le scooter que mon cousin avait pété à la fête de la musique de Beauvais. T'as capté ou pas? Bon, en tout cas, il y en a pour tous les goûts. Je fais aussi les T-Max. Oh, sa mère. Des piouis. Des kiwis. Et bah, hey, tu pourquoi t'as pas compris ça? Des kiwis. Piouis, kiwis, ça rip. C'est une blague. Putain, mais tiens-toi, toi. Pourquoi tu rigoles pas? Oh, rigole, toi. Rigole à ma blague, c'est marrant. Eh, ça se voit que t'as pas de scooter, toi. Ça se voit que t'as pas de coucou. Eh, t'as pas beaucoup compris, toi. Francisco arrive enfin à son rendez-vous professionnel pour travailler dans un grand magazine en tant que femme de ménage. Là, tu dis pour autres que je nettoie, hein. Ah, t'es de ma mère, tu me passes au montage, moi je te dis. Passe rapide, maman! Si! Vous êtes sérieux là, femme de ménage? D'où? En plus, cette bâtarde, elle envoyait des claquettes, c'était une tarée, elle m'a niqué. Passe rapide! Ah, no claquettos, madame señoritas! Wesh, Francisco! Viens rendez-vous! Lourd de ouf! Hey, j'ai fait une double couverture! Allez, ah, mannequins, ils ont kiffé sur moi! Trop lourd, enfin, rentrons dans les magazines, frère! Viens! Hey, vous coupez au montage, hein! Vas-y, sérieusement, faites pas les bâtards! Combien d'argent avez-vous réussi à récolter aujourd'hui? Vas-y, je suis désolé, j'ai pas arrivé! C'est pas gros! Vas-y, frère, moi, ils ont pas compris mon poème, je parle pas le puntacasien, frère! Vas-y, mon frère, ils ont cru que c'était du coton de je sais pas quoi! C'est quoi ce pays de merde? Je laisse même pas les piouis, ils sont sérieux! Et merci pour votre gentillesse, les frères, voilà! Badaboum! Alors, qu'est-ce qu'il y a? T'es con toi ou quoi? Faut mettre des iPhones, faut mettre de l'argent. Ah ouais? Non, putain! Fais chier, merde! Casse tes couilles! Putain! Merde! Fais chier, non, putain! Bon, casse tes couilles! Laisse faire! Et c'est donc Jean Moule qui a gagné l'indice aujourd'hui. Putain! Lourd, casse les couilles! Lourd, frère! Putain! Fais chier! Ça va, c'est Wam! Ça plaisir, frère, voilà. Ça va. Bah écoutez, je tiens à dédier cet indice à DJ Abdel. Bientôt l'album, Inch'Allah. Donc ça, c'est, ça fait plaisir. Bah écoutez, bah merci Philippe, hein. Ça va, t'es un bon. Putain. Ah merci les frères, voilà. Bah bravo mon pote, bravo, bravo. Et viens m'en parler vite fait. Alors comme ça, je suis menti. Putain de merde. Bon, c'est Jamoul qui a gagné. Bon, en plus, c'est avec notre argent qu'il a gagné, ce bâtard. Il mendiait. Bon, il nous a laissé voir l'indice. Lundi, c'est une enveloppe. Une enveloppe, je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être le bouffon, c'est un facteur. Je pense que par rapport à la forme, peut-être que ça veut dire un... Si tu la mets comme ça, ça fait une sorte de O. Une lettre. Je sais pas, je vais partir sur cette piste. O. Ou peut-être le chiffre 0, ou alors c'est un rectangle. Mais on n'est pas loin, je suis pas loin. Dans le prochain épisode, vous découvrirez qui est la fausse Kaira. Best is Geronimo. Ok. Chut, tu te calmes, Denis? On est posé à Punta Cana. Ouais, c'est nous les Punta Cana. On est posé à Punta Cana. Ouais, c'est nous les Punta Cana. We'll be right back.
Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a une fausse Kaira parmi vous. Non. Je vais pouvoir vous présenter vos parrains, le Whoop. Et c'est donc Jean Moule qui a gagné l'indice aujourd'hui. Putain. Alors Jean Moule a décidé de partager collectivement son indice. Et on pense que le mot c'est enveloppe. Le mot enveloppe. Non, c'est dedans. Dedans. C'est dans la boîte aux lettres. Gmail, Hotmail, MSN, MySpace, Facebook, Snapchat, Snapchat. On a trouvé l'indice, apparemment c'est Snapchat. Snapchat c'est un réseau social, c'est jaune, c'est un petit fantôme. Bon, allez niquer vos mères. Toi nique ta mère, toi. Lâche-la, c'est une rageuse parce qu'on a gagné. Rageuse. Et que du coup, ils nous ont pas dit si on l'avait gagné, mais je pense que moi, on a gagné. Il y a un Judas parmi nous. Et ça, c'est pas gazaille. Pas gazaille du tout, tu vois. Tête de mère, frère, pas un qui a bronché. Ils m'ont tous regardé. Frère, en vrai, dans le fond, ils savaient pas qui j'étais. Mais moi non plus, frère, je sais pas qui t'es, moi. D'où tu viens? Tu viens de toi, d'ailleurs? 93. Ah, 93? Comme moi, où ça, dans le 93? Saint-Denis. Frère, tu viens d'où toi? Non, mais je t'ai dit, moi aussi je viens de Saint-Denis, au quartier nord de Marseille. Comme moi? Arrête! Comme moi, frère! Le même quartier! Saint-Denis, c'est vers l'OM. De toute façon, ça se voit, vous êtes pas des vrais gars, vous faites pas de sport. Regardez vos poils, ils sont même pas musclés, mon frère. T'es sérieux, frère? Viens, on fait une course dans la piscine, là. Vas-y, le premier arrivé, c'est le vrai gars. Ouais. Vas-y. À vos marques. Prêt. Partir. Allez. Vous a tué. Alors, mes poils sont musclés. Qu'est-ce qu'ils disent, mes poils? Ils disent Gazaille. On dirait que c'était pas tous les frères. Bah bien sûr que j'ai gagné, tu vois, tu t'attendais à quoi? Même si la roue est voilée. Eh, sa mère, j'ai trop envie de bronzer, je suis crevé, la vie a bronzé lui. Vas-y, je m'en bats les couilles de bronzer, les gars comme nous on n'a pas besoin de bronzer, frère. Bah ouais, ça, il a raison. Moi j'ai perdu des couleurs, vas-y viens, je vais bronzer. Allez. Même si la roue est voilée. Non mais c'est parce que c'est le type du Cameroun, ça, c'est pas pareil. C'est plus par la bouche. C'est plus par les papilles. Ils ont beaucoup de papilles au Cameroun. Eh les frères, vous êtes toujours à la salle de muscule. N'importe quoi. On dit pas muscule, on dit muscu. Bouffon, on dit musculaf. C'est toi, bouffon, frère. On dit. Bref, on s'en bat les yeux coups. On y va ou on y va pas? Non. Je m'en bats les couilles, je fais mon sport qu'en prison, là. Genre, t'as déjà été en prison, toi? Pas encore, non. Eh, par contre, j'ai fait 3 ans de parloir. Hein, pour aller voir ma mère. Elle est maton. T'as moyen à piston? Ouais, un peu de pistonner, ouais. Moi aussi. J'aimerais bien faire maton. Mais mon père, il a la police des polices. Cellule et tout, de bonnes cellules. Attends, toi, tu veux faire maton laveur? Je vais faire maton laveur. Moi aussi, je veux. Alors là, je suis en train d'effectuer un massage de la carpe. C'est un massage qui a été inventé en 1952. C'est un massage qui consiste à bien masser les arêtes du corps, à bien les malaxer pour... Frère Francisco, arrête de raconter une vie, frère Francisco. Tout le monde sait, frère, t'es en train de te masser tout seul. Il n'existe même pas ton massage, frère. Et dis quoi, ce qui est pareil, en vrai, t'es même pas une carpe. Bah Francisco, en fait, ce que je comprends pas avec lui, c'est que... En fait, c'est pas une carpe. Ça se voit qu'il est humain. Il est noir, frère. Moi, je suis pas le carpe. Moi, je te le dis, moi, on m'a dit Moi, je suis pas le carpe. Ah, tu sais quoi, je vais te balancer tout de suite, t'as la gueule. Hey, dis-moi, c'est qui t'a dit, c'est toi, on m'a dit. Dis-moi, on m'a dit. Je dis tout de suite. On m'a dit. Hey, Louis. Qu'à un moment, j'ai essayé d'intervenir. Francisco, voilà, il est trop sensible. Mais c'est vrai, quoi, il faut me laisser vivre. J'ai envie d'être une carpe. Je suis une carpe au fond de moi. On peut me laisser être une carpe? Il est noir. T'as déjà vu une carpe noire? Des carpes beiges. On a vu, on connaît. Pourquoi je serais pas une carpe? Je suis obligé d'être un humain, un mec qui a des pieux. Si au fond je sais que j'ai une queue. Regarde-moi dans les yeux. Est-ce que je t'ai déjà dit que c'était pas le carpe? Dis-le à la caméra. Assieds-toi. Voilà, Francisco il m'a dit, et c'est tout à son honneur, que voilà, les carpes c'était sa passion. Vraiment, il faut pas l'embêter avec ça. C'est important pour lui. Ça vient de sa maman, apparemment. Et
Mec, il faut pas la faire chier avec ça. Putain. Il fait de mal à personne, Francisco. S'il veut dire que c'est une carpe, laissez-lui dire que c'est une carpe. C'est pas bien. Fâcheux. C'est pas bien, frère. Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Laisse-le dans son délire, mon gars. Poisson pourri. Poisson de l'Enterprise. Vous le méritez pas, ma mère. Il est gentil. Il est gentil, faut... C'est un renard, c'est un renard. Moi, je suis gentil avec les... Enfin, avec les mecs comme moi, tu vois. En fait, il est où, Francisco, là? Il fait encore la gueule, regarde. Hey, ce serait un poisson, je l'aurais pêché, je l'aurais décortiqué, je l'aurais décaillé, j'aurais tout enlevé. Hey, j'aurais fait de lui un porte-clés de poisson. Vas-y là, vous jouez les malins, c'est quoi le truc le plus chaud que vous ayez fait là? Bah, genre, moi une fois j'ai fait l'amour là. Ah ouais? Wouah! Je sentais pas, bravo! T'es ouf, genre t'es allé parler meuf et tout? Ouais, bien sûr. Mais il m'a, tête de ma mère, il m'a. D'où tu sais, toi? Vas-y là! Sois la tête de merde, j'ai fait l'amour! Alors, j'ai déjà fait l'amour. Sur la tête de la mère, j'ai déjà fait l'amour. Ah, Mondel, et moi, on m'a dit un truc, je sais pas si c'est vrai, tu vois. Mais c'est vrai, les meufs, elles ont pas de bites. C'est des rumeurs. Ouais. Elles ont toutes des bites. Ouais, ça, c'est des bites. Ah, mais je savais ça. Heureusement. Mais je savais qu'elles avaient des bites. Tu veux soit quoi? Bah oui. Pourquoi est-ce que je dois un truc différent? Bah oui. Comment elle pisserait? Bah ouais. Oh, un pédalo trop cool, frère. Puissance. Eh, pédale plus vite, ça marche pas là! Ah, mais fous de l'eau aussi, frère! Oh, ça marche pas, je crois qu'il est cassé, hein! Là, je me suis aperçu qu'il y avait un problème. C'est de la merde, ça! Le pédalo, il marchait pas. Plus la merde! Chul brigante, demande. T'es sérieux, Togo? Mais je suis chauffe depuis les escaliers, toi! Y'a pas d'ascenseur, frère! Ouais, j'avoue! Ah, bah aussi, c'était des beaux escaliers! Normal! Hop! La gougoute. Ah. Voilà, à tout beau. À tout ça. Je vais enregistrer un petit son là. Un petit son mort. T'es malheur au cœur, frère. T'es malheur au cœur. L'eau. Votre séjour à Punta Cana touche à sa fin. Je vais donc vous révéler qui est l'intrus de l'aventure. Finalement, vous êtes tous des bouffons. De quoi on est des bouffons? Tu veux quoi, Narvala? Tu veux quoi? Moi, je suis un gros bouffon. Il reste des pâtes? Non. Non, parce que moi j'aime bien tout ce qui est tagliatelle, carbonara, tout ça. On va manger? Allez, ouais, ouais, allez, ouais, allez, on tombe. C'est la vaisselle. J'ai un bon appétit. Welcome à Punta Bouffon. Welcome à Punta Bouffon. Bon, apparemment on est tous. On est tous des bouffons. Il reste des gnocchis ou pas? Non, parce que j'adore les gnocchis, c'est un truc que j'ai toujours aimé depuis petit. Content d'apprendre que je suis un bouffon. Comme dit, dans le monde, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent se targuer. Parce que, bon... Target SG1. Je sais pas s'ils ont sorti le 2, Target SG2. Prêcher, ils sont sur le 4 déjà. J'ai été ému au fond de moi, parce que... être une Kaira... au fond... Franchement, ça ramène de l'oseille parce que voilà comment tu raquettes les gens et tout, ça fait plaisir. Mais après, au fond de ton cœur, bah, tu souffres et t'as envie de... En vrai, moi j'aimerais réussir à l'école et dire à ma maman, toi aussi t'es une carpe. À un moment, je me dis, ouais, là tu fais de la peine, mais tu sais quoi, de toute façon, vous êtes tous des bouffons, vous aussi. Commence pas à faire. Star Wars. Là, ça n'a rien à voir, c'est tout à notre mot. Sinon, il y a... Moi, j'aime bien Seigneur des Anneaux. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que filet mignon, frère. Retiens-le bien, frère. Ça va sortir bientôt dans les bacs, frère. C'est dans le building, c'est là, c'est au top. C'est up, c'est t'inquiète, tu connais. Vive la bolosserie. Vive la gentillesse. Et fuck les pêcheurs. Faire la carrière, ça sert absolument à rien. Continue l'école, travaille, faites les choses bien. La vraie force, elle est là-dedans, les gars. Elle est vraiment là-dedans. Parce que je vous dis que les gars, faire la caïra,
c'est pas gazé. Calme, Denis. C'est bon, vous avez ma valise de pain. Yo. Qui est Punta Cana? Kili qui nous fait croire qu'il a pas son passeport. Ouais, vraiment. Bah, Inch'Allah, il a pas. Bah, Inch'Allah, il a pas. Inch'Allah, il a pas. Inch'Allah, il a pas. Tu sais, on veut faire passeport là, moi je vais le faire. Ouais, ouais, non. J'étais sûr de l'avoir pris, j'avais tout fait. Fais gaffe, fais gaffe. Donc cet homme ne rigole pas. Cet homme ne rigole pas, il ne plaisante plus. Mon plan marche comme des roulettes. Un mois. Il me reste encore Jérémy et Mike à éliminer. J'arrive plus à être content là, je suis dégoûté pour lui. Vérité. Ça passe, moi je trouve ça bien. Ouais, je suis en train d'essayer de trouver une technique pour lui, mais... C'est pas Et Vic, il a trouvé son passeport, vive la France arc-en-ciel et vive la Belgique. Vic, tu déconnes frère, tu déconnes à mort frère. Dans la même Vic, l'homme le plus désespérant de la Terre. Les gars, il perd son portefeuille, deux fois dans une semaine, il oublie son passeport. Une fois, il oublie de mettre un pantalon. Il est venu jouer au spectacle, il n'avait pas de pantalon. Non, pas de soucis, mais tout se passe bien tout à l'heure. T'as vu un problème toi? Ok, maintenant on se vole pour la République du week-end. Préparez-vous pour le décollage, ça va décoller. Salut, on décolle dans 5 minutes pour un aller simple dans mon cul. Ouais, yeah. Jizz up, décollage imminent, les frères et sœurs, c'est ça du quoi? Bordelais, putain! On avait trop besoin. Salut, on décolle bientôt dans mon cul. Jizz up. Alors là, on va décoller pour. On va où là? Dakar. On va à Dakar. Ouais, Dakar. C'est vers le Brésil. Vers Naples. Vers Naples. Ouais. Et bonne soirée, à bientôt. Et vive la France, Suisse. On est au bar de l'avion. C'est un peu moi qui gère, tu vois. En plein vol pour la République dominicaine. Mais non, c'est une blague. On est à Santo Domingo, ville de République dominicaine. On va sortir de l'aéroport dans à peu près 1 milliard d'heures, je pense, parce qu'il faut faire notre visa et tout. C'est une bonne ambiance ça, ça c'est festif putain. Les gars qui s'invitent même aux enterrements et qui se plaignent parce que sur le buffet y'a pas de sirop de menthe. Ouais. Et quand le révérend demande y'a quelqu'un qui a quelque chose à dire, moi dans le fond je te boucle. Là on va faire un pierre papeuille papeuille. On fait pierre, feuille, ciseaux et puits. Non, il n'y a pas de puits. Ok, on fait un pierre, feuille, papier, ciseaux. Il y a 4 places pour le massage et du coup on est 5 et on va se partager. Allez. 1, 2, 3. C'est excellent, bah on n'avait pas de meuf finalement, on en a trouvé.
Et je pense que je vais me mettre très bien. La vita! Si! Gosol! Vacaciones! Claque mi culo! Oh là là, moi, mon gosse à la gauche, c'est Sidra, que m'est-ce étonné? Oh, mais Et Hugo qui se font masser. Ils sont massés par deux masseuses. Deux masseuses. On va rentrer discrètement dans la pièce et on va demander aux masseuses de se retirer et sinon on va les masser à leur place. On va les. Aïe. Brr. 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 Ils vont pas savoir. C'est rap, rap, rap. Eh, hey, les gars, wesh. Ouais, moi et Hakim, c'est mon pote. À la fin, pote. Alors Jérém, c'est un peu le musclé, le gars viril du groupe, et ça se voit. Cet homme ne sait pas sauter dans l'eau directement. Saute, connard. Non, 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 clé. Découverte du générique, Mike doit le faire. Ça va? Mais tiens, tu me sens en otage quand je te défonce, hein. C'est bien. Et tu recommences toi. Et tu sais pas quoi. Ça va? Timothée? Ça va Timothée? On a perdu Timothée. J'ai tapé mon genou en premier sur ça là. Attends, je vais rester un peu. Non, ça va aller je pense, mais je pense que je vais avoir un bon bleu. Tu veux qu'on tape dessus un peu? Ouais, avec une batte. Retrouvez-moi prochainement dans les anges. Abonne-toi à la chaîne du Whoop. Et on sera de retour du 24 au 28 octobre au Bataclan à Paris. Et aussi en tournée dans toute la France. Ah bah là je dis oui. Les bars. Punta Caira, wesh les frères et les sœurs, ça dit quoi? Peace.
Medine, je plaque grosse villa. Nous tranquille, hamdoulah, ça va. Soleil, palmier, on se pavane. On plane plus haut que Superman. On veut même plus rentrer à Paname. Notre schéma, j'discute à faire avec les mamans. J'paye en pesos ou en dollars. Et les rageux, j'leur envoie des mandats. On est posé à Punta Cana. Ouais, c'est nous les Punta Cana. On est posé à Punta Cana. Ouais, c'est nous les Punta Cana. Piscine, cousine, on déconne en vrai, t'as rien à craindre, y'a pas de fousin. Pas de flowing, si ça règle, les comptes qu'avec des coussins. Le seul surnom que j'ai, c'est ma daronne qui m'appelle Poussin. Kilo, prépare-toi, ils vont tous cibler. Ils vont voir tout bonnet qui débarque et en skip. C'est vrai, on fout la scarde de partout et d'ailleurs. Qui pense qu'une paire de nagles les rendra tête pour foutre le fond ailleurs. Comment c'est les teufs? Comment ça va bien les Kaira? Comment c'est les teufs? Renault, j'porte plainte. Si j't'ai laissé me gifler, c'est juste pour avoir tes empreintes. Face à face au comico, je vais tout dire, mec, tu vas me craindre. Interdiction d'approcher, sinon pour toi c'est ville peinte. La prison fait pas peur, j'y vais une fois par mois. Parce qu'on joue au Monopoly en famille tous les samedis soirs. Dans les transports de peur qu'on vienne me racketter. J'bave et j'marche de travers pour qu'on me prenne pour un handicapé. J'aimerais fumer du hack, de la bleue ou bien du shit. Mais j'me suis évanoui en fumant la clope électronique. Et j'peux pas dire que j'vous nique, car j'ai une bite tellement petite. C'est à 10 ans, mes parents ont su que j'étais pas une fille. On est posé à Punta Cana.